Hein? Oh! Bienvenue sur le plateau de Gaffin Photo. Une excellente maison, une bonne table, des convives sympathiques et gourmands. Merci d'être là. Et merci d'être là. Et puis un menu. Un menu comme chaque lundi soir qui a été concocté par les cuistots de Gaffin Photo. Et ce soir, vous allez voir, je vous dis. Aux États-Unis, les lycéennes de 14-15 ans doivent passer 3 jours et 3 nuits avec ce poupon qui fait tout comme un vrai bébé. Le principe, les dissuader de tomber enceinte. Nous vous raconterons l'histoire d'Audrey et Anthony, certainement parmi les plus jeunes parents de France. Ils se sont connus à 12 ans et pour eux, leur petite Marine, c'est un vrai cadeau du ciel. Lui aussi, il a commencé jeune. Steven Spielberg est aujourd'hui l'artiste le plus riche des États-Unis grâce à des films comme E.T., Les Aventuriers de l'Arche Perdue ou Jurassic Park. Valérie Benaïm nous dira tout sur sa richesse, ses passions et ses petites manies. Ils sont jumeaux, rigolos et un peu barjots. Ils ont accompli un exploit, traverser l'Atlantique sur une barquette de 4,20 m. Ou comment passer 40 jours face à son double, en plein milieu de l'océan. Georges Chétochine nous expliquera le vrai caractère de Dominique Voynet. Écolo Baba, devenu ministre, jusqu'où ira-t-elle? Les hommes sont-ils trop machos au bureau? Quand vous, les femmes, vous nous imitez, ça fait froid dans le dos. Mon petit, vous allez faire les photocopies, c'est quand même pas moi qui vais les faire quand même. Vous êtes enceinte tout le temps? Qu'est-ce que vous n'allez pas chercher pour travailler moins? Vous êtes vraiment une pondeuse, hein? Vous voulez en faire combien comme ça? Vous croyez que je vous paye, moi, pour faire des gosses? Et puis, on parlera du stress ce soir. Il paraît que c'est la maladie du siècle. En Inde, ils ont peut-être trouvé la solution. Ils organisent des séances géantes de rigolade dans la rue. Et en France, qu'est-ce qui marche? On a des méthodes plus spectaculaires et plus douloureuses aussi. Démonstration sur le plateau, en fin d'émission. Dis-moi, je connais un bon moyen de se déstresser le lundi soir, notamment, c'est de regarder, il n'y a pas photo. C'est vrai, il n'y a pas photo, ça marche. Mais Laurent, il y a des techniques beaucoup plus spectaculaires et étonnantes. Et je crois qu'on va encore passer à la casserole tout à l'heure à la fin de l'émission pour tester ces techniques. Je crains le pire, Pascal. En attendant, je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir très, très chaleureusement nos invités de ce soir. Anthony Caruana. Charlotte Cady, mesdames et messieurs. Bonsoir, Charlotte. Et... accueil particulièrement chaleureux pour un Nicandy. Ouais. Ah, pas mal. Alors là, on nous l'avait jamais faite celle-là. C'est vrai, attendez. Là, voilà, elle est faite. Génial. Comment, merci, y a pas Annie. Photo. Bien sûr, il y a photo. Merci, ah, bonjour, Charlotte. Salut. Bonjour. Anthony, ça va? Très bien. On va parler d'Anthony en deux secondes. Vous allez découvrir ce soir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous, on l'a vu il y a trois jours sur scène. On a été estomaqués. On ne le dit pas souvent, donc pour une fois que ça nous arrive, on le dit. Anthony Caruana, qui jusqu'en mars est à Paris, un Québécois, contrairement à nos apparences. Québécois. Il est tout juste formidable, voilà, sur scène, c'est un humoriste, comédien, et il a d'autres talents, on en parlera tout à l'heure. L'est de la Bosnie-Herzégovine, dans cette région peuplée en grande majorité de musulmans, l'aide humanitaire est pratiquement inexistante. Les convois sont détournés par des unités serbes
plus de 200 000 personnes sont menacées par la famine, le froid et les combats. En solidarité, le gouvernement bosniaque est même allé jusqu'à refuser toute aide humanitaire. À Sarajevo, les camions chargés de l'acheminement à l'intérieur de la ville ne trouvent pas de receveur. Ils sont obligés de revenir au point de départ. Résultat, l'aide humanitaire s'entasse dans les hangars alors que les avions continuent d'atterrir à Sarajevo. L'aéroport a été réouvert aujourd'hui après la mort hier d'un casque bleu français. Le 12e a trouvé la mort dans l'ex-Yougoslavie. Et sur le plan diplomatique, l'émissaire de Bill Clinton, Reginald Bartholomew, est arrivé aujourd'hui à Moscou, où il doit présenter aux autorités russes les initiatives américaines pour une paix en Bosnie. La direction de Grundig a ajourné sa décision de fermer sa fabrique de téléviseurs de Kreuzwald en Moselle. 891 emplois sont menacés. Le porte-parole du groupe s'est refusé à préciser quand une décision définitive interviendrait sur l'avenir de l'usine. Deux importants verdicts en cour d'assises aujourd'hui. À Metz, Christian Giacchetto a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le viol et le meurtre de la petite Christelle. À Montauban, deux des quatre accusés qui comparaissaient pour avoir sauvagement assassiné six vagabonds en 90 ont été condamnés à perpétuité. Le troisième à 20 ans de prison. Quant au quatrième, simplement reconnu coupable de vol, il n'a écopé que de 6 mois avec sursis. Épilogue heureux pour les passagers de l'Airbus de la Lufthansa, détourné hier sur New York. Certains ont même décidé de rester un peu aux États-Unis. L'un d'entre eux, assez décontracté, a raconté leur aventure. Captain interrupted very coolly and he said, ladies and gentlemen, there's a young gentleman who does not want to go to Cairo. And he has a gun pointed to my head and he wants to go to Hanover. And then possibly later to the North Atlantic. Of course, that's hard to believe when you're on a normal flight. Does that happen? No. What did you think at that point? I thought, oh, the pilot. Sport, deux résultats de foot ce soir. Match avancé du groupe A de 2e division. Ajaccio s'incline sur son terrain face à Nancy 2-0. Martigues et Bastia font match nul, 0 partout. Alain Prost récupère sa super licence de pilote. La commission de Formule 1 la lui a accordée à l'unanimité. Le Conseil mondial décidera la semaine prochaine de l'engagement de son écurie Williams Renault. Cela risque d'être beaucoup plus lent qu'en F1 demain sur les routes des vacances. Journée orange en Ile-de-France et rouge en province pour Bison Futé qui conseille de partir après 15h. La suite logique, le temps du week-end, la météo tout de suite avec Agnès Boulard. Bonne nouvelle pour ce dimanche de Saint-Valentin, sauf pour un quart nord-est qui verra un ciel assez nuageux. On le doit à une dépression islandaise, sinon l'anticyclone est sur la France et la protège quand même pas mal. Demain matin, les régions Nord, Picardie, région parisienne, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine et Alsace, Champagne-Ardenne seront sous un ciel très nuageux ainsi que les Alpes. Partout ailleurs, de belles éclaircies, voire du soleil, pas de neige malheureusement. L'après-midi, le ciel nuageux se limite à la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Ailleurs, c'est toujours du soleil. Les températures iront de 1 à Strasbourg et Lyon à 15 à Biarritz avec 6 à Paris. Dimanche, le même type de temps, très nuageux sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et la Bretagne. Sinon, c'est du beau temps pour les autres, les températures stationnaires. Gérard Depardieu sera mon père ce héros dans quelques instants. Excellente fin de soirée. Quand j'y songe, la vie serait carrément triste.
préfère, c'est la cerise. Changer les scènes chaudes, j'ai les rôles, un autre costume sur les épaules. J'ai amené des croissants, là. Je suis encore arrivé à me foutre en retard. Véro a appelé ? Isabelle ? Isabelle ?